Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Le protocole NFS pour les débutants » et un peu sur le même principe qu'avec la vidéo sur le protocole SMB, nous allons voir ce qu'est le protocole NFS, à quoi ça sert, quels sont le ou les ports utilisés par ce protocole, quelles sont les différentes versions et puis ensuite, on verra au travers d'une démonstration sous Linux cette fois-ci comment mettre en œuvre le protocole NFS et nous finirons par une petite analyse de trame, voire même avec une petite surprise au niveau de la partie Windows pour la mise en œuvre du NFS. Alors si vous êtes prêts, je vous invite avant qu'on y aille à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis on va commencer par la première partie. Qu'est-ce que le protocole NFS ? Alors le protocole NFS pour Network File System, que l'on peut traduire par système de fichiers en réseau, c'est un protocole de type client-serveur, comme le protocole SMB, qui va être utilisé pour effectuer du transfert de données, c'est-à-dire du transfert de fichiers entre une machine cliente et une machine serveur. Alors il est principalement utilisé en environnement Linux, c'est pour ça qu'on n'en entend pas trop parler lorsqu'on utilise surtout Windows, mais il est compatible malgré tout avec Windows ainsi que macOS. Alors il est similaire avec le protocole SMB dans le sens où il permet lui aussi de faire du transfert de données sur un réseau grâce notamment à la création d'un partage. Alors il faut savoir que contrairement au protocole SMB qui est propriétaire Microsoft, le NFS quant à lui est un protocole libre donc qui est implémenté du coup sur de nombreux appareils, de nombreux systèmes. D'ailleurs, il est compatible avec VMware ESXi au niveau de la virtualisation et il va permettre de connecter un espace de stockage réseau où l'on va venir stocker des machines virtuelles par exemple ou alors venir stocker des sauvegardes. Ce qui est un cas assez fréquent. D'ailleurs, pour moi, le protocole NFS est surtout utilisé pour faire de la sauvegarde à travers le réseau, voire même stocker des machines virtuelles sur un NAS, par exemple, et faire une connexion NFS entre l'hyperviseur et le NAS, donc qui sera le serveur NFS, pour permettre à l'hyperviseur d'accéder à ces données. En parlant de NAS, le NFS est implémenté sur une majorité de NAS que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, notamment Synology, Azure Store, QNAP, etc. Alors, pour le partage de fichiers purs, je pense que l'on préférera SMB. En tout cas, moi, je préfère largement SMB. Il est beaucoup plus adapté, je trouve, à ce type de mise en œuvre. Mais néanmoins, on peut très bien créer un partage sur une machine qui jouera le rôle de serveur NFS et accéder à ce partage à partir d'une autre machine, comme nous pourrons le voir tout à l'heure lors de la phase de démonstration. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo et aborder et voir les différentes versions du protocole NFS. Alors le protocole NFS est un protocole qui a été créé par Sun Microsystems en 1984. Donc cette première version s'appuyait sur des connexions UDP, tout comme la deuxième version donc, qui est arrivée en 1989, donc quelques années plus tard. Donc au fil des années, comme ça, tous les 4-5 ans, il y a eu des nouvelles versions qui ont été publiées jusqu'en 2016 avec la sortie de NFS version 4.2. Alors il faut savoir que le NFS en version 1, 2 et 3 négligeait toute la partie sécurité. Alors comme de nombreux protocoles sortis dans les années 80 finalement, puisque à cette époque-là, la sécurité n'était pas forcément au cœur des préoccupations, puisque les actes de piratage, les attaques n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas autant d'outils pour justement mener ces attaques. Donc c'est à partir de la version 4 qui est sortie en 2000 et qui a été mise à jour en 2003, qu'il y a eu des premières avancées au niveau de la sécurité. D'ailleurs, cette version a vraiment marqué une rupture vis-à-vis de la version 3, puisqu'elle a été totalement réécrite, notamment pour optimiser les performances, mais aussi pour apporter des fonctionnalités liées à la sécurité, comme par exemple l'authentification Kerberos, donc avec un échange de tickets, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir s'authentifier sur un serveur NFS à l'aide de l'authentification Kerberos si on utilise au minimum le NFS
en version 4, en version 4.1 ou 4.2. Le NFS en version 4 s'appuie sur des connexions TCP stateful, c'est-à-dire avec un suivi de l'état. Lorsque le serveur va établir une connexion avec un client, il va être capable de suivre les échanges dans le temps et pas seulement un seul échange et après recommencer une session. Ce qui n'était pas le cas avec la version 3 qui était aussi sur des connexions TCP, mais en stateless, c'est-à-dire sans suivi de l'état. À chaque échange, il y avait une nouvelle connexion qui était négociée, il n'y avait pas de suivi entre le serveur et le client. Donc comme vous pouvez le voir sur le tableau à l'écran, le protocole NFS est un protocole normé avec à chaque fois une RFC correspondante qui va décrire le protocole et en tout cas la version du protocole en question. Donc je vous ai mis toutes les infos à l'écran. Et contrairement à ma présentation sur le protocole SMB où j'avais mis plutôt une version de SMB associée à la sortie d'un système d'exploitation Windows, ici ce n'est pas le cas puisqu'il est vraiment indépendant déjà de Windows mais aussi de Linux puisqu'il faut l'installer en tant que paquet supplémentaire lorsque l'on veut le déployer sur une distribution Linux comme on va pouvoir le voir au sein de la démonstration. Parlons maintenant de la compatibilité entre les différentes versions du protocole NFS. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité entre le NFS V4 et le NFS V3 et les versions d'avant. C'est-à-dire que si vous avez un serveur qui communique que en NFS V4, il faut forcément que le client soit en NFS V4 également. C'est d'autant plus vrai que si vous configurez un partage pour qu'il utilise au niveau de la sécurité l'authentification Kerberos, qui est seulement prise en charge sur les versions 4 et plus, il faudra forcément que le client en face utilise cette version-là. S'il ne supporte que la version 3, il ne pourra pas se connecter à votre partage et donc à votre serveur NFS, puisqu'il ne supportera pas la partie authentification Kerberos. Donc il faudra bien adapter la configuration du serveur vis-à-vis des clients que vous allez avoir en face. Pourquoi pas déclarer à la fois un partage en NFS V4 et en NFS V3 en jouant notamment sur la partie sécurité. Alors avant de passer à la démonstration, il nous reste une dernière étape à voir, c'est la partie port utilisée par le protocole NFS. Alors le protocole NFS utilise le port 2049. Alors dit comme ça, on pourrait croire qu'il utilise qu'un seul port. C'est vrai, mais ça dépend de la version du protocole NFS que vous utilisez. En fait, à partir de la version 4 du protocole NFS, il y a eu une très bonne décision qui a été prise, c'est de se dire le protocole NFS va utiliser tout le temps le port 2049 et seulement ce port-là. Par contre, sur les versions antérieures, il utilisait également le port 2049, mais également le port 111. Le port 111 qui n'est pas directement lié uniquement au protocole NFS, puisqu'il fait référence au service PortMap, qui est notamment utilisé pour orienter les requêtes RPC. Donc voilà, le protocole NFS avant la version 4 nécessite le port 2049 et le port 111, tandis que la version 4 nécessite seulement le port 2049, comme nous allons pouvoir le voir dans la démonstration qui va commencer maintenant. Alors pour cette démonstration au sujet du protocole NFS, ce que je vous propose, c'est d'utiliser deux machines Linux, en l'occurrence pour ma part sous Debian 11. Il y aura une machine Linux qui sera le serveur NFS, donc sur laquelle nous allons créer un partage et le partager via le protocole NFS. Et avec le client NFS, donc la deuxième machine sous Debian, nous allons tenter d'accéder à ce partage et donc de le monter sur la machine Linux. Et puis nous verrons après une petite analyse de trame et nous finirons par monter ce partage NFS sur une machine Windows. Alors pour cette introduction au protocole NFS et dans le but de ne pas complexifier davantage la démonstration, je ne mettrai pas en place l'authentification Kerberos lors de cette démonstration, mais on verra qu'on utilisera malgré tout le protocole NFS en version 4. Alors je suis connecté sur mon serveur NFS, il faut commencer par mettre à jour le cache des paquets. Ensuite il faut installer donc le paquet qui s'appelle nfs-kernel-server pour installer la partie serveur NFS sur ma machine Debian. Alors je l'ai déjà installé pour ma part pour gagner un petit peu de temps
dans le cadre de cette démonstration. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est activer le démarrage automatique de notre serveur NFS. Donc pour ça, on fait un système CTL, enable, et on met le nom du service. Comme ceci. Donc là, à chaque fois que mon serveur Debian va démarrer ou redémarrer, le serveur NFS sera lancé automatiquement. Ensuite, il faut qu'on crée notre répertoire pour le partage. Alors pour ça, on va créer un dossier dans le dossier donc natif SRV que l'on va appeler partage NFS, comme ceci. Ce dossier-là, on va lui donner des droits un petit peu spécifiques puisque l'on va définir en propriétaire l'utilisateur nobody et le groupe nogroup. Donc ça va permettre d'associer ce partage-là avec ces utilisateurs-là pour les accès anonymes, puisque l'on verra que l'accès se fait de manière peut se faire de manière anonyme sur le partage NFS. Donc je spécifie que je veux appliquer ces droits sur le dossier nouvellement créé, voilà comme ceci. Je vais également modifier les droits pour que mon utilisateur puisse venir écrire sur ce dossier. Donc je fais un petit chmod comme ceci, voilà, partage NFS. Et si je fais un ls-l de SRV, je peux voir que mon dossier il est ici et que le propriétaire c'est bien nobody et le groupe propriétaire c'est bien nogroup. Concernant la configuration du serveur NFS, c'est le fichier qui est dans etc, il se nomme export comme ceci. Donc on va le modifier avec Nano ou avec un autre éditeur de texte comme VI. Ensuite on voit que le fichier normalement il est vide à part les quelques lignes de commentaires. Pour ma part, j'ai déjà déclaré mon partage, ce qui nous donne une ligne comme ceci pour partager le dossier SRV partage NFS. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différentes options, parce que le but, c'est que vous puissiez bien comprendre. Alors là, on peut voir que j'ai spécifié une adresse réseau. Donc là, ça va permettre d'autoriser les machines du réseau 192.168.100.0/24 à autoriser, à se connecter sur ce partage. Je pourrais mettre ici une adresse IP spécifique, par exemple si vous avez un serveur NFS qui sert à stocker des sauvegardes, vous allez pouvoir venir lister ici l'adresse IP ou les adresses IP des serveurs qui sont autorisés à venir stocker leurs sauvegardes afin de renforcer la sécurité et l'accès à votre partage. Donc ici on voit que j'ai mis donc l'adresse IP et ensuite il y a un bloc de parenthèses avec différentes options. Ça commence avec l'option RW qui indique que l'accès au partage se fait en lecture et écriture. Si on veut que ce soit un partage accessible uniquement en lecture seule, on va remplacer RW par RO. Ensuite, la partie Sync va permettre de gérer la manière dont vont être écrites les données sur le partage. C'est-à-dire que là, on est dans un mode où on va écrire les données et les vérifier au fur et à mesure avant d'en accepter de nouvelles. On n'est pas dans un mode asynchrone, donc il y a une option async que l'on peut utiliser. Ce mode-là, il est peut-être un peu plus lent en termes de performance, mais il va permettre de limiter tout ce qui est corruption de données. Nous avons ensuite l'option Anon UID. Donc là, en gros, c'est l'UID de l'utilisateur anonyme. Donc l'UID 65534 correspond à l'utilisateur nobody que l'on a défini comme propriétaire sur le partage. Et on a sur le même principe l'anon GID avec le même ID puisque ce sont un utilisateur et un groupe qui sont natifs en fait sur Linux et qui ont toujours cette ID là. Et pour des raisons de fiabilité, d'après la documentation du NFS, d'ailleurs c'est la valeur par défaut mais je souhaite quand même la préciser en dur, l'option No Substrate Check permet de ne pas vérifier les sous-dossiers lors des actions sur le partage. Donc voici pour ces quelques options. Il est à noter qu'on pourrait, si on veut autoriser plusieurs sous-réseaux, on ne va pas dupliquer la ligne en fait. On va venir ici à la suite et on pourrait déclarer comme ceci un autre sous-réseau, même une machine. On remet les parenthèses avec différentes options, des options qui peuvent être différentes en fonction des machines, en fonction des sous-réseaux. Donc une fois que le partage est déclaré, on va sauvegarder, on va fermer le fichier, et là on va faire la commande export fs-a afin de passer, on va dire, en production, de charger le contenu du dossier export que l'on vient de modifier.
Donc à partir de là, normalement, notre partage NFS est censé être publié. D'ailleurs, on pourrait faire un showmount-e avec l'adresse IP donc de mon serveur local sur lequel je suis connecté, qui est celle-ci. Et là, on peut voir export list donc pour l'adresse IP. On voit bien SRV partage NFS ainsi que l'adresse IP du premier réseau que j'ai utilisé et l'adresse IP du deuxième réseau que j'ai autorisé. Il y a une autre commande qui est particulièrement intéressante, c'est rpcinfo-p qui va nous permettre de voir, d'avoir des informations sur ce qui est en écoute au niveau RPC. Et là, on va voir NFS sur le port 2049 en TCP en version 4. Et on peut voir aussi que le serveur est à l'écoute en UDP sur la version 3, toujours sur le port 2049. Et comme je le disais lors de la présentation théorique du protocole NFS, on retrouve le port mapper sur le port 111, donc qui est indépendant du NFS, mais qui est utilisé par certaines versions. Donc là, le partage NFS, il est prêt. Maintenant, je vais basculer sur ce que j'ai appelé mon client NFS, qui est une autre machine Debian 11. Et on va tenter de se connecter à notre partage pour voir si on arrive à y accéder. Donc dans le même esprit, pour pouvoir monter un partage NFS sur un client Linux, il va falloir installer un paquet. Donc tout d'abord, on va mettre à jour le cache des paquets justement, et ensuite on va installer le paquet qui s'appelle nfs-common. Donc je l'ai déjà installé pour gagner un petit peu de temps. Maintenant, on va devoir monter le partage avec la commande habituelle mount. Donc avant cela, il faut qu'on crée un dossier qui servira de point de montage pour notre partage. Donc en l'occurrence, ce sera dans Media, Partage, NFS. Voilà. Une fois que le dossier est créé, bon moi il existe déjà, donc la commande renvoie une erreur, on va pouvoir monter notre partage. Alors pour monter le partage, ça donne la commande suivante. Donc cette commande, je vous l'explique, on fait un mount-t, et là on précise NFS 4 pour utiliser la version 4. Si on met NFS tout court, il va utiliser une ancienne version. Donc c'est une petite subtilité à connaître. Ensuite, on met l'adresse IP du serveur NFS, deux points, et le chemin vers le partage. Donc en l'occurrence, nous c'est slash SRV, slash partage NFS. On rajoute un espace et on met le chemin vers le point de montage, donc c'est-à-dire le dossier que l'on vient de créer juste avant. Et on envoie cette commande-là. Donc là, il ne me renvoie pas d'erreur, il ne me dit pas non plus que c'est bon. Donc si je fais un ls media partage NFS, ça fonctionne, mais le dossier visiblement est vide. Alors je vais créer un fichier dans ce partage, que je vais nommer fichier.txt. Voilà, et si je liste de nouveau, on peut voir que mon fichier existe bien et qu'au niveau des droits, j'ai l'utilisateur nobody qui est en lecture-écriture et le groupe en lecture et les autres en lecture, ce qui correspond bien à mes droits 755. Ensuite, on va retourner sur le serveur NFS et si on liste le contenu du partage, logiquement, je devrais voir mon fichier. Voilà, effectivement, je vois bien mon fichier, il est vide, mais il est bien là. Alors, je rebascule sur mon client NFS. Il faut savoir que quand on monte un partage avec la commande mount, c'est monté temporairement. C'est-à-dire que si je redémarre mon client Linux, le partage ne sera pas monté automatiquement. Si on veut pouvoir le monter automatiquement, il faut ajouter la ligne dans le fichier de configuration fstab, qui est chargé en fait à chaque démarrage de la machine. Donc pour ça, je vais commencer par démonter le partage, donc media partage NFS. Je vais modifier le fichier fstab, donc qui est dans etc. Et là, il faut ajouter une ligne, comme celle qui est à l'écran, où on va repréciser le chemin vers le partage, le point de montage et différentes options, notamment le protocole que l'on veut utiliser. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit de faire un mount-a pour forcer le chargement du fichier fstab sans devoir redémarrer la machine pour tester. Et là, si je fais de nouveau un ls, on peut voir que j'accède bien à mon partage, et donc que si je redémarre ma machine Linux, il sera monté automatiquement. Donc là, j'ai établi une connexion à mon partage. Je peux en profiter pour faire un petit nfs stat -m pour récolter quelques informations. Et là, on peut lire des informations assez intéressantes. Bon, déjà, on voit le point de montage, on voit la partie cible, donc mon serveur NFS.
On voit ici que c'est en lecture-écriture, et on voit verse égale 4.2. Donc là, on peut se dire déjà que la communication est établie grâce au NFS en version 4.2. Donc ce qui est plutôt intéressant comme information. Et on a ensuite la visibilité sur le protocole TCP, ainsi que la sécurité qui est en mode système et non pas en mode Kerberos, puisque si ce serait en mode Kerberos, il y aurait une valeur différente. Et là, on a donc l'adresse IP du client et l'adresse IP du serveur. Donc cette commande NFSTAT est relativement pratique pour obtenir des informations précises sur la communication établie entre le serveur et le client NFS. D'ailleurs, puisque l'on est en train de parler des commandes intéressantes, on peut faire un netstat avec les options donc Petula. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique, l'option Petula. Il y a une autre manière de la mémoriser, mais je ne vous le dirai pas, parce que c'est un peu vulgaire. Et on va faire un filtre sur la partie NFS. Et donc là, on peut voir que j'ai une connexion établie avec donc 192.168.100.121, ce qui est mon serveur NFS, sur le port NFS, donc le port 2049, et moi forcément ma machine utilise un port aléatoire pour initier sa connexion. Donc voilà, c'était une dernière commande à connaître, et maintenant on va passer sur l'analyse de trame. Pour l'analyse de trame, on va se positionner sur le serveur NFS et l'on va installer un logiciel que l'on appelle tcpdump, tout simplement avec un apt-get install tcpdump. Ensuite, ce logiciel va nous permettre de capturer les flux réseau qui arrivent sur le serveur. Nous, on va faire un filtre. On va appliquer un filtre sur deux ports, le port 2049 et le port 111, puisqu'on a pu voir que le port 111 était utilisé par certaines versions du protocole NFS. Alors pour lancer une capture avec ce filtre, on fait tout simplement tcpdump port 2049 or port 111, c'est-à-dire port 2049 ou port 111. On lance la capture, donc là mon serveur il est à l'écoute. Donc ce que je vais faire, c'est rebasculer sur le client NFS et faire un LS pour créer de l'interaction et lister le contenu de mon partage. Et là on peut voir qu'il y a eu quelques échanges visiblement sur les deux ports sur lesquels j'ai fait mon filtre. Mais si on regarde un petit peu plus en détail les différentes lignes, vous verrez qu'à aucun moment il est question du port 111 et que c'est toujours le port NFS qui est utilisé du côté du serveur pour établir la connexion entre les deux machines. D'ailleurs, on aurait même pu s'amuser à relancer une capture avec seulement un fil sur le port 111 et on aurait vu qu'il ne se passe rien. Que tcpdump ne capture aucune trame. D'ailleurs, je vais le faire en live avec vous. Voilà, je relance sur le port 111, je retourne sur ma machine cliente, je peux même créer un fichier pour vraiment créer un maximum d'interactions, et on va voir ici au niveau du serveur NFS que c'est resté vide, il n'a capturé aucune trame, ce qui montre bien qu'il n'y a pas que le port 111 n'est pas utilisé lorsque l'on s'appuie sur le NFS en version 4. Pour finir cette démo, je vais basculer sur une machine Windows afin de vous expliquer comment monter un partage NFS sur Windows, en l'occurrence Windows 11. Me voici connecté sur une machine Windows 11 où je vais vous expliquer comment monter un partage NFS sur Windows. Donc sachez que c'est possible à la fois sur Windows Server mais aussi sur Windows 10 ou Windows 11 et que dans tous les cas il faut installer une fonctionnalité complémentaire puisque par défaut Windows n'est pas capable de monter un partage via NFS. Donc il faut installer une fonctionnalité facultative qui est malgré tout intégré à Windows, et pour cela on va utiliser PowerShell ou alors l'interface graphique. Attention, avec PowerShell la commande n'est pas la même sous Windows Server et sous Windows Desktop, on va dire. Donc voici pour Windows 11 la commande. Donc une fois qu'on a saisi cette commande là, il n'est pas nécessaire de redémarrer la machine cliente, c'est directement opérationnel. Et c'est plus rapide que d'aller faire des clics dans l'interface graphique. Ensuite, nous allons devoir monter le partage à l'aide de la commande mount.
Et pour cela, je vais ouvrir une invite de commande. Alors, il faut savoir que Mount correspond à un exécutable qui va nous permettre de monter le partage NFS, mais Mount est également un alias vers le commandlet new-psdrive lorsque l'on est en PowerShell. Et forcément, les deux ne fonctionnent pas pareil au niveau des options. Donc, si on utilise la commande Mount avec la syntaxe de l'utilitaire dans la console PowerShell, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va déjà se contenter de l'invite de commande. Alors pourquoi ne pas utiliser la commande PowerShell puisque l'on pourrait aussi utiliser new PSDrive directement? Bah, je trouve qu'il y a des comportements un peu bizarres parfois quand on veut monter un partage NFS avec ce commandlet. Des comportements, j'ai même envie de dire, un peu inexpliqués. Des fois ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Et après ça va marcher. Et donc autant prendre Mount, c'est, je trouve, beaucoup plus fiable. Donc dans mon invite de commande, je vais faire un Mount, et là, tirer O pour les options, je vais passer en mode anonyme, et je vais préciser, comme sous Linux tout à l'heure, le chemin vers mon partage en précisant d'abord l'adresse IP. Et ici, je mets un espace N de points pour lui dire que ce partage-là, il faut le monter avec la lettre N sur ma machine Windows. Donc je lance cette commande-là, il me dit que N est désormais connecté. On va aller vérifier, voilà, tout de suite dans l'explorateur. Ici, j'ai bien accès à mon partage NFS qui est sur Linux. Je retrouve bien mes deux fichiers que j'ai créés précédemment. Et si moi, j'essaie de créer un fichier, on peut voir que ça fonctionne également. Alors, pourquoi ça fonctionne? Eh bien, parce que j'ai fait une petite modification au niveau de ma machine Windows, puisque nativement, j'aurais eu un accès refusé et un accès seulement en lecture seule sur ce partage. En fait, il faut agir au niveau du registre, donc à cet endroit. Il faut créer deux clés de registre, enfin deux valeurs que l'on va créer avec nouveau valeur dword 32 bits, une qui est anonymous JID et une anonymous UID. Ça doit vous rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la configuration du partage. Là, c'est le groupe ID et là l'utilisateur ID. Et on reprend le même ID que celui qu'on a défini dans le fichier etc export de notre serveur NFS, en l'occurrence 65534, qu'il faut bien préciser en valeur décimale comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, il faut redémarrer la machine, on remonte le partage et on peut du coup écrire au sein du partage comme je viens de le faire ici. Alors j'ai utilisé Mount pour monter mon partage NFS, mais j'aurais très bien pu le faire directement avec l'explorateur en faisant connecter un lecteur réseau, en mettant le chemin ici du coup en format UNC et en connectant le partage NFS de manière simple avec l'interface graphique. Et bien voilà, cette introduction au protocole NFS touche à sa fin. J'espère que les explications étaient claires, que vous avez bien compris ce qu'était le protocole NFS et que vous avez apprécié cette phase de démonstration beaucoup plus orientée Linux cette fois-ci, mais malgré tout avec une petite partie Windows, puisque ça peut toujours être utile de savoir monter un partage NFS sur une machine Windows, que ce soit du Windows Server ou du Windows 10, voire du Windows 11. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager un max cette vidéo, et puis on se retrouve rapidement pour un prochain tuto vidéo. Ciao !